Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Olivier Gaming. Aujourd'hui, on continue l'aventure Uncharted 4 avec cet épisode 20 qui s'annonce compliqué, encore une fois. Oh, 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 j'avais oublié mon pic. Je pense qu'il faut aller par là. C'est que là, tu mets du temps quand même, cette fois-ci, hein. Eh ben dis donc. Cimetière de bateau. Waouh. La vue est belle, aussi. On va pouvoir descendre par là. Ça a l'air à peu près sûr. Ouais, c'est sûr que tout le reste sur cette île. Voilà, je m'attends au pire. Non, j'adore quand je suis coincé comme ça. Ah bah Elena, si tu veux me dépasser, ça va pas ça. Alors. Super, on se rapproche. C'est pas bon signe. Regarde, c'est Sam. T'en sortes les. Allez, faut qu'on s'en donne. Hein? Oh non, je suis déjà avec le pistolet. C'est tendu dès le départ. C'est pas vrai. Ah non, pas celui-là. Recule. Recule, elle m'a dit de reculer. Elle m'a dit de reculer. Qu'est-ce que tu fais? Oh la vache! Alors les amis, on s'amuse ? Tout ça.
couleur, c'était Elena. Ouais, mais c'est que c'est lourd comme un engin. Je voudrais pas dire, mais j'ai du mal. Hein. Tout ce qui traîne. Tout va bien. Ouais. Je peux pas passer avec ce truc là. Avec 99 c'était mieux. On essaye de se réarmer quand même, hein. Comment là, on est pas mal. Il est comment mon tir? Je suis pas sûr que mon tir soit super efficace. Il était comment ce flingue? Non, il est nul aussi. Faut que je remonte. Bon, c'est tendu quand même. Hein. Ah, peut-être là. Essayer avec ça. En fait, il fallait monter. Ah, pardon. Excuse-moi. Où c'est qu'on peut passer? Ici. C'est que j'avais pas vu. Alors, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre 15 pouces bleus, même si vous avez envie. Ouh là là! Oh, j'aime pas du tout ce flingue. Faire un truc qui tire plus vite, à moins que celui-là soit bon. Je m'attends au pire, hein. Bien se le dire. Ouais, il tire comme un manche, notre ami Sam. On va se retrouver à 3. Vous avez mon briquet. Oh putain. Ah bah non, on se retrouve à 2. Ah non, 3, ça va. Merde. La tête est mort,
est pas trop mauvais sur ce coup. Oh non! Oula! Oh oui! C'était très dangereux! J'ai pas entendu ce qu'il fallait faire. Ah oui, d'accord. J'aille sur le bateau. Okay. Je fais comment pour y aller? D'accord, comme ça. Tendu. Revoilà nos amis. Putain. Oh merde. Ouais, et on s'est musclé hein, comme début de jeu. Pas enfin, début de jeu. Début de cette partie. Oula. Ouais, d'accord. Encore. Putain, j'ai pas d'armes. Il est mort ou pas? C'est quoi ça? Le camion? Oula. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Merde! Je fais n'importe quoi! Il est où? Un lance-roquette?
Oh non! C'était pas la bonne idée. Merde. Non, plutôt par là. Ouh. Oh la Crash Bandicoot, je déteste ça. Courir dans ce sens-là, je sais pas comment faire. Oh la vache! Mais c'est chaud patate! Oh! Là, 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 là. Allez, cours, cours, cours. Oh. Bon boulot, petit. Merci pour le coup de main. Putain, j'ai une arme de merde. Je vais te sortir de là. Je veux bien. Ah voilà. Ouh, j'ai eu peur. Je suis content de te voir. T'arrives pile poil au bon moment. Ah, tu sais, pour rentrer dans le coin, c'est pas très bon pour les nerfs. Ouais, mais il faut d'abord qu'on trouve Sam et Elena. Ah bah les voilà. Que tout va bien ? Ouais. Avec toutes ces... Eh bien, dites-moi, c'était très intéressant. Tu lui as encore sauvé. Ah, ce jeu est vraiment extraordinaire. Il procure de sacrés... On l'a échappé belle à plusieurs reprises, mais... Il a pris soin de moi. Je reprends mes esprits tellement c'était bon. C'est quoi, ça ? Quelle action ! Non-stop ! Une balle qui m'a effleuré. Ah. Et toi ? Une falaise qui m'a effleuré. Et on a l'humour après, mais c'est magnifique. Oh, il a fait tomber son équipe droit dans l'un des pièges d'Avril. Malin. Tu sais, à propos de cette histoire avec Alcazar, qu'on parle de tout ça plus tard. Où on va ? Sur la plage, de l'autre côté de la ville. Ok. Avec tout ce remue-ménage, j'espère qu'on n'a pas attiré l'attention. Attendez, vous faites quoi ? Mais qu'est-ce que tu crois ? On dégage de ce putain de caillou ? Ok, ça c'est la première option. La deuxième serait d'aller dans cette direction. Pour arriver plus vite. Mais arriver où ça ? Bah, au trésor d'Avril. Écoutez, Rafe va devoir faire tout le tour. Alors qu'on s'en fout de Rafe. Hé, Victor, avec tout le respect que je te dois... Tu sais vraiment pas quand t'arrêter, c'est dingue ça. On est tous... On est sur le caillou ? Le trésor est juste à côté, on va chercher le trésor. On l'a fait pour toi. Et je vous en suis reconnaissant, très sincèrement. Mais on assure. En plus, on a une longueur d'avance. Enfin, pour l'instant, on peut y arriver. Nathan, allez. Hein ? C'est évident. En fait, Avril a réussi à saborder tous les bateaux présents sur cette île. Et pourquoi ? Parce que ce qu'il voulait par-dessus tout, c'était garder son trésor. Exactement. Quel qu'en soit le prix à payer pour son entourage. Parce qu'il voulait surtout éviter d'être suivi. Parce qu'il voulait s'en aller. Regardez ça. Bon. J'ai découvert sa propre carte de l'île. Ok ? Là, c'est son navire. Juste ici, sous cette montagne. C'est là que se trouve le trésor. Et c'est dans cet endroit qui est en train de se diriger Rafe. Pendant que nous, on perd du temps à se disputer bêtement. Ouais, et si il avait déjà quitté l'île ? Et que son bateau est coulé quelque part au milieu de l'océan.
Ben dans ce cas, on trouvera. Il a coulé. Oh, Dieu. Ça fait combien de temps qu'on est après ce truc? Toi et moi. Sans vouloir vexer nos amis. Ils comprennent pas. En fait, si, ils comprennent. Ils savent ce que c'est. Ok. C'est pas la première fois qu'ils voient ce genre d'obsession chez quelqu'un. Tu sais, on n'est plus des gosses maintenant. C'est fini. Et on n'a plus rien à prouver à personne. Où est l'avion, Victor ? Ah. Il est par là. Ça me change d'avis. Un peu trop facilement à mon goût. Ça sent pas très bon. Est-ce que c'est loin d'ici ? Pas trop. Ouais. Oh, excuse-moi, Elena, j'ai failli te... Oh, j'ai failli lui faire très mal. Bon, il n'y a pas un petit trésor, là, caché par ici? En tout cas, il n'y a pas de trésor, mais on a une super vue. Et c'est bizarre, parce que ce village-là qu'on est en train de découvrir, ils n'en ont pas du tout parlé, par contre. Ou alors, on est revenu au début? Non. Une petite roulade d'ail. Par là, d'accord. Là, voilà. Ah, faut regarder. Ça fait une sacrée descente. Comment t'es arrivé là? Il est descendu en sautant sur ces murs, mais je crois qu'on va devoir trouver un autre passage. Bah, si on peut passer par là. Non. Oui. Alors, que nous attend-il encore? Est-ce que Rafe va être sur notre passage? Mais c'est trop haut pour remonter. Ouais, on pourrait peut-être faire quelque chose de tout. Il y a une charrette. Allez. Tu m'aides, Sam? Oui, parce que, bon, je vois bien, mais je fais tout seul, là, quand même. Ah, c'est quand même mieux à deux. Ça va plus vite. Oh, bah, c'est maintenant qu'on a fini qu'elle veut nous aider. Ah, là, bah, elle est pas mal. Ah, je te jure. Oula. Oh. C'était quand même hyper stylé comme bâtiment pour l'époque. Quelqu'un a trouvé une sortie? Parce que c'est à moi de la trouver, la sortie. Voilà, je vois deux petits trucs. Ouais, je crois que même c'était pas ici, c'était plus là. Eh, hey, regardez par ici. Voilà. Ok. Bien, on y est presque. J'ai vraiment hâte de retrouver mon petit. Ah, c'est un peu loin quand même pour sauter. Oh, regardez-moi ça. On dirait un genre de téléphérique. Tu crois qu'il marche encore? Il n'y a pas de commande, mais je parie que je pourrais tirer la plateforme avec ma corde. Ouais, mais bon, pour l'instant, il faut passer de l'autre côté.
truc à bouger. Ah oui, je sais bien. Ah. Ah oui, je me disais aussi ce truc en bois là. C'est pour ça que tout à l'heure je suis passé devant parce que je me dis, mais c'est bizarre d'avoir un truc comme ça. Donc, du coup, je vais pouvoir passer parce que je vais me rapprocher de la plateforme de l'autre côté. Ok, Victor, je peux te demander ton aide ? Bien sûr. Allez, vas-y, Nathan. Voilà, nous on tient, toi tu dois sauter. Oui, bah ça, je sais faire ça. Ah d'accord. C'est bon, on est prêt. Tout le monde va bien. Tu nous rejoins, Nathan ? Ah, faut que je te rejoigne, d'accord. Allez, Nathan, tu grimpes et je t'attrape. Oh la vache. Allez, viens, frangin. Pas toute la journée. Hey, donne-moi ta main. Hop là. Et on s'est séparés. Sam. Et merde. Sam, viens. Ok. Vas-y, saute, je te rattrape. Allez. Non. Non, arrête, n'y pense même pas, Sam. Tu m'entends? Désolé de vous avoir entraîné là-dedans. Tous les trois. Écoute, tout ça n'a plus d'importance maintenant. Alors saute. Je peux pas abandonner si près du but. Sam. Hey, je te préviens, Sam, si tu fais ça, je viendrai pas te chercher. T'as compris? Je suis désolé. Sam! Sam! Oh, t'es-tu stupide? Il t'a pris au mot? Il court tout droit dans la gueule du loup. Allez. Ouais, ouais, sûrement raison. Évidemment qu'il a raison. Allez, on y va. Ouais, de toute façon, on s'était couru d'avance qu'on allait chercher le trésor. Sors de là et je vais en coller. Si tu veux, nous on se concentre d'abord sur la partie sauvetage. Et qu'est-ce qu'il a dans le crâne? Après tout ce qu'on vient de... Quand même, ça lui suffit. Oh, il est comme moi, il cherche ses mots. Faut le sortir de là. Ok. Bon, il y a encore une... Ouais. Ok. Tiens, on peut s'aider de ça pour passer. Allez. C'est quand vous voulez que vous m'aidez, hein. Bah oui, quand même. Heureusement que j'ai bien fait de gueuler pour leur dire de m'aider, hein. Allez, allez, encore un petit effort. Non, c'est si lourd que ça, ce truc. Attends, c'est bon. Ok, c'est bon. Bah tu vois. Je crois pas que ça va tenir. Nate, vas-y. Non, c'est bon. Vas-y. Oh merde. Allez. Voilà, bah, 3 secondes de plus et... J'y passais. Et maintenant, comment on va faire pour grimper là-haut? On n'aura jamais le temps. Alors d'habitude, il tend le bras et puis on peut monter. Il va pas tout seul. Écoute, je reviens tout de suite, ok? Parce que tu crois qu'il va te suivre sans se battre? Ben non, on se battra si c'est ce qu'il faut. Mais quoi qu'il en soit, je le ramène avec moi. Toi, fais en sorte de rapprocher l'avion au plus près de la montagne et sois prêt à décoller rapidement. Tu crois qu'on peut décoller lentement? C'est pas juste. Quoi? C'est ton tour de faire la vaisselle. Ne fais surtout pas le coup de pas revenir à la maison. Promis, je ferai la vaisselle. Enfin bon, il y a un lave-linge maintenant pour ça. Je t'aime aussi. C'est beau, il lui a dit je t'aime.
Et ben voilà, nous avons fini cette partie du jeu. Donc, comme à chaque fois, je découpe bien. Donc, le prochain chapitre, vous le verrez demain, je pense. Donc, on se dit à bientôt. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. À bientôt!